Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3. Alors, bon tout d'abord désolé, hein, je suis malade, je pense à 100 ans. Donc voilà, les épisodes qui vont venir seront plus posés que d'habitude. Alors, on va faire une nouvelle partie avec la Prusse. J'ai essayé de faire une partie avec le Japon pour le let's play narratif, mais c'était pas très intéressant. Voilà, du fait que le pays soit refermé sur lui-même, ça bloque beaucoup, beaucoup de choses. Il est assez en retard technologiquement au début. Voilà, au début, ça met bien 20 ans à devenir quelque chose, et je trouve ça un peu dommage. J'ai fait une partie avec l'Autriche que j'ai bien commencé, et là, j'ai perdu des rushs. Ah, j'avais la haine. Ah, elle était bien la partie, et j'ai perdu des rushs, je suis dégoûté. Donc, on va recommencer. Enfin, je vais recommencer sur... cette fois, la Prusse. On va partir sur la Prusse. Et on va avoir un objectif... on va avoir plusieurs objectifs, mais le premier au début, déjà, c'est de former la Grande Allemagne. Donc, en gros, c'est... tous les territoires germaniques du nord, donc tout ce qui est Prusse, Hanovre, Bavière, la Suélie. J'ai déjà du mal en temps normal, alors là ça va être compliqué. Schleswig, voilà, jusqu'à la Schleswig. Donc en descendant, voilà, le Bavière, la Bade, etc. Et on va aussi descendre plus tard, on va essayer de former la Grande Allemagne en prenant l'Autriche. Mais pas de manière agressive. On va faire ça proprement. Enfin, semi-agressive, vous allez voir. Pour ça, je dois le faire avant la fondation de la Scandinavie. Sinon, la Scandinavie, souvent, ils prennent ces deux territoires-là. Donc, me forcez pas à le redire, s'il vous plaît. Voilà, ils vont prendre ces deux territoires-là. C'est marrant, c'est la même... Ah non, c'est pas le même. Et... On va jouer très diplomatiquement par rapport à la partie avec la France. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les impôts de consommation classiques. Donc là, on peut mettre du vin... les services, la porcelaine qui rapporte pas mal, et puis bon, le verre. Au niveau des technologies, donc pour pouvoir former le, vous allez voir, formation allemande, on va avoir besoin de deux choses. Ah là, il n'y a pas. Mais en gros, on va avoir besoin du leadership. Donc là, il n'y a pas. Mais pour avoir le leadership, en gros, le leadership, c'est dire, c'est moi qui... Il n'y a que moi qui peux former la Grande Allemagne. Et pour avoir la leadership, on va devoir partir sur la technologie dans société, nationalisme. Alors, je sais pas si c'est... Oh non, c'est pas indiqué, mais voilà, en gros, on va avoir besoin de nationalisme pour avoir ce leadership. Ah non, il n'y a pas du tout. Bon, on verra un peu plus tard. Ce leadership, je vais essayer de le récupérer le plus tôt possible, et pour le récupérer le plus tôt possible, je vais m'essayer à la vraiment full diplomatie. Donc pour cela, je vais devoir blinder les taxes. Ah, désolé. Et en fait, je vais essayer d'avoir des obligations des grosses puissances locales. Donc là, on voit, je suis 5e, donc en fait, je vais essayer d'avoir des obligations sur les trois premières puissances, la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Une fois que j'aurai ces obligations, je lancerai un conflit pour avoir ce leadership. Et ça devrait... si j'arrive à avoir les trois pays avec moi qui viennent grâce à mes obligations, il devrait abandonner tout de suite, il est pas fou. Donc on va faire pour ça. On va commencer à financer. Donc le financement, ça coûte cher. Voilà, vous n'êtes pas bête. Hein. Le financement, ça coûte cher. Là, ça va coûter par exemple 20 000. Ça va me coûter 20 000 d'argent par semaine. Mais ça a 1% de chance à chaque semaine de me donner une obligation. Donc,
on va dire en théorie, en 100 semaines, en un peu moins de 2 ans, j'ai 100% de probabilité d'avoir une obligation. Voilà, et c'est à partir de ces obligations qu'on va faire rejoindre un futur conflit. Donc là, je commence à financer, voilà. Et il faut savoir que là, ce sera beaucoup plus haut, par exemple avec la France ou la Grande-Bretagne. Là, ce sera du 50 000. Donc c'est compliqué. Pour pouvoir financer la France, pour pouvoir financer un pays, il faut que vos relations soient au moins neutres avec eux. Regardez. Admettons, je veuille... c'est où financer? Je sais plus. Financer, voilà. Financer la France, ils me disent des relations entre la Prusse et la France doivent être plus que médiocres. Voilà. Là, on est à moins 20, donc on est un peu médiocre. Va y avoir aussi quelque chose d'assez spécial avec... avec la Prusse, c'est que si on s'entend bien avec les autres petits territoires, donc par exemple la Saxe, l'Anhalt, etc., on a un petit pourcentage qu'elle nous rejoigne naturellement, qu'elle demande à se faire annexer en fait. Alors avant, il me semble que ça coûtait du... dans la famille, mais maintenant, bah, j'ai pas l'impression que ça redemande dans la famille. Donc on va améliorer les relations avec tous ces petits pays. Alors, bonne question, c'est... Ouais, ok. On verra plus tard s'il y a besoin. D'ailleurs, je veux juste voir... Ok, il n'y a pas de... Elle n'est pas en alliance pour l'instant, l'Autriche. Donc on va améliorer toutes ces petites relations. On a pas mal de... On a pas mal d'influence, et même ce que je pourrais faire, c'est... déclaré en tant qu'ennemi, en tant que rival, mais je vois pas trop avec qui. Non, ce serait peut-être pas forcément bien au début. Voilà, donc ensuite on va faire un tour du marché, le classique, hein, vous connaissez. On a oula, ah ouais, en Westphalie, il n'y a même pas assez d'infrastructures. Très bien, très bien, très bien. On peut faire des voies ferrées, mais on n'a pas de moteur. On a peut-être la technologie quand même pour le faire. On a les chemins de fer, donc on doit pouvoir faire moteur. Ouais, bah si, quand même. À mon avis, ça me paraît logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des moteurs, enfin une usine de moteurs. Donc industrie, et je sais pas où est-ce que je vais la faire encore, honnêtement. En Silésie? C'est où la Silésie? Si, si. Ok, bah allez, on va faire une usine de moteur. On a encore des choses à construire. Par exemple, le papier est cher. Du papier cher, c'est pas bon. Est-ce que y a un niveau de... Non, il n'y a pas de niveau à débloquer. Je regarde en même temps. Là, de la teinture, j'en ai pas. Ce serait bien d'avoir plus de vêtements. Mais j'ai pas de teinture. On va en importer, voilà. Et là, on va se mettre comme ça. On va se mettre en laïque. Département philosophie, là, en laïque. Alors, pourquoi je mets laïque? Ça me permet d'avoir un peu plus de bureaucrates. Et les bureaucrates sont principalement de l'élite intellectuelle. Ça va me servir un petit peu plus tard. Je vais garder au plus le gouvernement actuel, donc qui est basé sur les armées. Les junkers et les forces armées, mais ça va me servir d'avoir un... Oula. D'avoir un petit peu de puissance des élites intellectuelles pour certaines technologies. On y reviendra, ou d'ailleurs on va le faire de suite. On est à 12%, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon d'aller là, là c'est pas bon d'aller là, et là c'est pas bon d'aller là, ok. Donc, on est en rate de fer. On est sacrément en rate de fer. Waouh. Allez, on va faire, comme on disait, on va faire légèrement de papier. Et à Brandebourg, on va faire un pouillot de papier. Et là, on va avoir besoin de fer.
Voilà, ça va se recalculer, il va y avoir des... Je suppose qu'il va y avoir des taux différents. Hop, on va mettre en vitesse 4, faut pas déconner quand même. Ouais, le fer a pas bougé, hein. Alors, usage. Hop. Alors, on va refaire 3 usines. Enfin, 3 mines de fer en Silésie. Ça nous fera du bien. Et en Westphalie, on a également du fer. Ok. On dégage 31 000 d'excédent au niveau du solde. Alors, faut que je garde en tête que quand je vais financer les autres pays, forcément, ça va me coûter. Donc, il faut pas non plus que je déconne trop sur les secteurs de construction. On va commencer par 3, 3, ça me coûte combien là, chaque secteur? Je sais pas combien il me coûte les secteurs en tout. Bon, en général, je crois que c'est du 3 à 4 000 par secteur hein, en entretien. Donc là, on va commencer par 3. Et on verra si on peut faire un peu plus de secteurs sans poser problème. Sans que ça nous pose problème. Voilà, le fer, les outils et le papier est cher sur le marché. Et on va ouvrir une route commerciale d'importation. Je crois qu'on n'en a pas. Ah si, on en a de la teinture. On importe du Pays-Bas. Ah bah c'est bon. Non mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà, tant qu'on a assez de teinture, on est heureux. C'est bête à dire, mais c'est un peu ça. Ok, on a des secteurs de construction. Voilà, ouais, les trois ils sont en Silésie. Voilà, ça nous prend un peu de dépenses. La vache. Ça fait beaucoup de. Tout ça. Faut voir si on a obligation. Non. Donc on va guetter les obligations. Voilà, si on a bien notre obligation de la part de la Russie. J'ai fait une partie de test. Et l'Autriche, manque de bol, ça avait fait une alliance, mais vraiment carrément une alliance avec la Russie. C'était compliqué. Ouais, est-ce que je peux. Si je fais déclarer la rivalité, ça me donne combien? 150 d'affluence. Oh, on s'en fiche pour l'instant. Et ouais, le fait qu'il fasse un. Une alliance, ça m'a bien ralenti la partie. Bah, j'ai été obligé de mener une guerre de A à Z, ce qui est dommage. Ok, on est encore bon au niveau du budget. Donc, je vais reconstruire deux, dans trois secteurs de construction cette fois en Posen. Assujettissement refusé. Ok. Normalement, si on fait le clic droit et qu'on a quelque chose de genre lever l'obligation, ça veut dire qu'on a une obligation. Et normalement, ça, il me semble que ça apparaît aussi là dans les pop-up. Mais vu qu'on a beaucoup, je vais pas vous mentir, je vais très certainement les louper. En disant que je vais peut-être en voir 1 sur 10, quoi. Allez, 1 sur 5. Donc, on a. Le premier truc, ça va être Confédération Nord-Allemande. Voilà, pour ça, j'ai besoin du nationalisme. Et le deuxième, l'unification allemande. Et pour ça, j'ai besoin de. Comme je vous l'avais dit, être le seul candidat à l'unification. Ok, importation, route d'importation, route d'importation. Ça commence à être embêtant, tout ça. Parce qu'on me vole un petit peu mes ressources. Donc, est-ce que je passerai pas en protection de l'approvisionnement, peut-être? Peut-être bien. Faut que je vois à terme. Promulguer protectionnisme, non. Par contre, je vais pouvoir faire protection. Si, bah oui, si, pardon. C'est ça que je voulais en plus. Alors, on va essayer de faire passer le protectionnisme. Ça risque d'être compliqué, hein, quand même, là. Hmm.
j'ai rien de mieux. Hein. On va essayer. Honnêtement, je pense pas que ça passera, mais c'est un malentendu. Ça peut toujours. Bon, on a trois bâtiments qui peuvent se construire en simultané, ça c'est cool. On a 13 millions 7 d'habitants, c'est pas des masses. Hein. Vraiment pas des masses. Ouais, mais ça ira mieux une fois qu'on aura pris certains territoires. Est-ce que d'ailleurs je peux augmenter mes relations avec d'autres? Non. Je peux. Ouais, je peux financer quelques autres petits pays, genre la Bavière, etc. Ça, on a un accord commercial et tout, donc ça, c'est bon en soi. Par exemple, là, on est en union douanière. Union douanière, on est coopératif. Voilà. Hambourg, en sortant comment? Neutre. Hambourg, je peux les financer à hauteur de combien? C'est très peu, hein. C'est très très peu. Donc on va financer Hambourg en même temps. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, bon, tout ça c'est cher. Les clippers sont chers. Oui, effectivement, parce que des clippers, je sais même pas si j'ai de la production quelque part. Non, effectivement, je n'ai pas de production de clippers, tu m'étonnes, ça soit cher. On va faire un chantier naval. Voilà, on va vérifier. Est-ce qu'ils sont copains avec quelqu'un? Non. Rivalité, oui. Ok. On a 4 constructions simultanées, là on perd pas mal d'argent. Heureusement, on a quelques fonds en réserve. On va voir le budget, on a les taxes qui sont au max. Je peux taxer la viande, mais je trouve pas ça très intéressant. Ouais. Là, je peux pas le réformer, hein. C'est pas intéressant. 54-58. Alors. Coup diplomatique, oui, bon, c'est normal, Kazakh. Par contre, ce que je peux faire, c'est. Augmenter leur force politique. Ouais. Qu'on a plus. On a plus d'importation de spiritueux, ok. Je vois que j'ai de la. Non, j'avais vu 250 d'influence, j'ai mal lu. C'est dommage, j'étais content, je me suis dit, oh cool. Bah non. L'influence à puissance. Oh la vache, ils ont gagné vachement. Vachement d'influence d'un coup. Oula. Donc, si on regarde les dépenses. Il doit y avoir un truc sur les biens publics, non, même pas, il n'y a pas les biens. Il n'y a pas le détail ici, c'est cool. Si je vais. Biens gouvernementaux, voilà, papier. Là on voit que ça commence à baisser parce que j'ai fait papier. C'est passé d'un coup. Protectionnisme. Bah c'est super. C'est impeccable. J'ai de la chance d'avoir réussi à le faire passer en protectionnisme. Je pourrais faire l'exploitation des colonies. Les ruraux, ils sont comment? Ils seront en moins 7, ce qui reste raisonnable. Voilà, j'aimerais bien me faire une petite. Mince, j'ai passé, j'ai pas lu. Une petite colonie au Kenya. Commencer à coloniser le Kenya, bah, ça va être bien pour la teinture en fait, au bout d'un moment. Voilà, par contre, j'ai toujours pas d'obligation. Pas trop de chance au niveau de l'aléatoire. Là, je suis à 50% de chance, un peu moins. On va voir ce que ça donne. Ok. Séparation totale, non, ça m'intéresse pas.
Soutien bas, radicalisme bas. Même moi, ça m'intéresse pas encore. En soi, on verra. Comme pire rival, ok. Petite bourgeoisie, ok. Ah. Ouais. Ça, c'est bien, ça, vu qu'ils sont loyaux, j'ai plus de bureaucratie. Toujours pas d'obligation. Allez. Au moins nos relations avec la France, ça augmente. Et vu qu'elles sont neutres, je vais cesser et je vais améliorer mes relations avec avec d'autres pays. Par exemple, Strasbourg, cette saxe là. Ouais, je n'ai pas d'autre choix. Je ferai la Hesse-Cassel ensuite, etc. C'est bien, on a le chantier naval qui est en cours. C'est vraiment cool. On perd un peu d'or, on perd encore pas mal d'or. On a perdu presque la moitié de nos réserves. Mais on va s'en faire petit à petit. Grâce aux constructions. D'ailleurs, je vois que j'en ai une qui n'est pas utilisée. Pourquoi j'ai besoin de dynamite? Usine de munitions. Oh. J'en produis ça? Ah ouais, j'en produis quelque part. En Westphalie, il y a vraiment tout en Westphalie. Ah non, juste tout ce qui m'intéresse. On a le procédé Leblanc. Mais nos usines sont pas trop efficaces. Parce que là, il y a de l'engrais. Ouais, pourtant, il y a de l'engrais. Ouais, mais là, on a l'agriculture intensive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter un peu d'engrais au marché français. Tiens. Hop, voilà. Et là, ça devrait relancer un petit peu mon usine chimique. Ouais, ça me l'a relancé pas mal. On est à 42 production avec niveau 2. On va la faire passer au niveau 3. Voilà. Comme ça, il sera moins cher l'engrais. Ça, c'est toujours une blinde. C'est fou. Oh, on en exporte un peu. Là, il y en a où? Ok, j'en produis là, c'est tout? Non. Ah si, j'en ai que en Rhénanie. C'est fou ça. On va l'augmenter d'un niveau en Rhénanie. Voilà, là ça va être du gros rééquilibrage au début, hein. Purée. Clipper, du fer, on en a en cours, du charbon, là va falloir en faire. J'en ai pas un autre endroit parce que là, j'ai beaucoup de choses en Silésie. Yes, j'en ai en Rhénanie. Hop là, on va augmenter de deux niveaux le fer. Ok, les moteurs ont baissé de prix, ça c'est cool. Ah, peut-être un petit peu là, un petit peu trop. Ok, Hanovre. N'est plus sous le contrôle anglais. Ils importent des armes qu'on fabrique, ok. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va épingler comme ça, ce sera peut-être plus. Ah bah non. Non, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Les moteurs ont réaugmenté de prix, ça c'est bien. Sous-traitance coloniale. Plus de délais de colonisation. Ouh, ça fait mal. 50% du test colonial pendant 5 ans. Ça me va, c'est le début, le temps que la technologie se fasse et tout. Ça me rallonge juste un peu le délai, c'est pas un problème. Mince. J'ai loupé le message, c'est pas très grave. On est à 49 avec pas mal de petits états. Hop là, voilà. Donc amélioration des relations rompues, vu qu'on est au maximum, c'est normal. Et là, on a 925 d'influence, on va enchaîner, hein. On va réaméliorer des relations, par exemple avec
La Bavière, Wittenberg, le Hohenzollern, la Bade, la Hesse et la Hesse Cassel. D'ailleurs, on va regarder ici. C'est où? J'ai oublié. Nous allons oublier où est-ce que c'est. Action d'état. Voilà, j'ai pas d'état incorporé. Pas d'état à incorporer, mais ça viendra. Obligation de la part de Hambourg. Ok. Ah oui, c'est vrai. Donc Hambourg, ils sont là. Est-ce que on peut leur dire devenez un proté... Non, on peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lever l'obligation. Et ça va augmenter, augmenter très rapidement nos relations. De 9, on passe à 39. Voilà, on a bien augmenté nos relations, ça c'est cool. Allez, je vais en pub, Belgique, France. Ok. Hanovre qui importe de l'artillerie. Ouais. Ok, ils ont déclaré d'intérêt en Allemagne, c'est pas très... Moi aussi je pourrais en déclarer... Hop, tiens, tu sais quoi, au cas où. Ici, et ici, ce qui peut être intéressant, voilà, c'est en Chine et aux États-Unis, car ce sont deux grosses puissances qui pourront peut-être m'aider aussi plus tard si, si jamais j'ai besoin d'avoir des obligations de leur part. Ça peut vraiment m'aider. Alors, bah, toujours du fer, on est à... C'est vraiment la déche de fer. Ça, ce sont des choses qui ne changent pas. On va faire 5 mines. Là, j'ai pas trop de choix. En espérant que j'aurai assez d'outils. Ça va être compliqué aussi. En Rhénanie, allez, on fera 5 en plus. Voilà. Capacité d'imposition insuffisante en Silésie, ok. C'est pas très grave. Ça fait un an et demi. On est à 75% en théorie là de probabilité d'avoir une obligation. J'espère qu'on va l'avoir avant mon premier épisode. Ouais. 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 Mes intérêts ils sont bien faits, c'est cool. Wow. Bon, ça se fait d'un coup là, j'ai. Je passe à moins. Moi je ne sais pas combien. Hambourg a de nouveau une obligation envers nous, c'est fou ça. Hambourg c'est la deuxième. Ah, je sais où est-ce qu'elle passe toutes mes obligations. On va lever l'obligation. Voilà, d'Hambourg. On a 71, c'est cordial. On va cesser de financer. Voilà, déjà ça va me redonner 100 d'influence. Et. Ce serait bien que les obligations viennent d'autre part là. Ouais, c'est les améliorations de relations. Je sais pas, il y a eu un petit truc. Voilà, j'ai des outils qui se font, c'est bien. Qu'est-ce que ça me dit? Route commerciale improductive, la route qui importait des clippers. Oui, parce que là, c'est en produit, c'est ça, des clippers. Et ouais, ouais, ouais. Ok. Donc ça, hop, désolé les anglais, je n'ai plus besoin des clippers, là j'en ai besoin, est-ce que j'ai du poisson? Le poisson on va faire chalutier de pêche, ça consommera un peu de clippers. J'ai besoin de combien en tout? Un peu moins d'une quarantaine j'ai l'impression, 45. Ouais, il sera un prix raisonnable. Hop, ok, ok, ok. On est à combien? On est encore à 1 million réserve d'or, ça me va. Sachant qu'on perd un peu de moins en moins. Bon, ce sera pas pareil avec le financement de la France et de la Grande-Bretagne. Les explosifs et les clippers ont baissé, c'est bien. Ça fait moins de dépenses de l'État.
Là, on les a bien fait baisser en tout le papier. Le papier, je crois, il est encore un peu cher, hein. Ouais, il est encore un peu cher. Plus 9. Ça va. En vrai, c'est raisonnable. Ouais, ça va, ça va, ça va. Les salaires, les salaires, les biens. Tiens, on va regarder ça. Oh, ça va, c'est raisonnable, ça aussi. Bon. On arrive à fin de 1837. Normalement, je suis censé être à 100% au niveau de la probabilité d'avoir une obligation de la part de la Russie. Bah, ça se passe pas. Ça se passe pas exactement comme c'était prévu, mais c'est pas grave. On va voir l'exploitation coloniale, on va voir ce que ça donne. Ah non, mais pique pas mon papier, toi. L'exploitation coloniale est passée. Déjà, c'est une bonne chose de fait. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on a mis en place quand même pas mal notre stratégie. Voilà, j'espère que si vous voulez jouer la Prusse, ça vous a pas mal appris. Bah, on se retrouve, comme d'habitude, lundi, les mardis, les jeudis à 11h pour les Let's Play. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao!